Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve alors quelques années plus tard avec le nouveau héritier Charles III de mon empire. Et je vous ai passé tout ce qui était loi de succession. J'ai eu quelques difficultés à les faire passer. Ça m'a pris un bon paquet d'années. Donc entre temps j'ai fini la guerre là. Et vous constatez tout de suite, j'ai eu quelques petits démêlés avec le Saint-Empire, mais tout petit, hein. C'est pas comme si j'étais quasiment tout le temps en guerre contre eux, faut dire ce qui est. Dès que j'étais en paix, ils me redéclaraient la guerre, etc., etc., ça a pas arrêté d'être en guerre. Au final, j'ai appuyé un moment, j'en avais eu marre. J'ai appliqué toutes mes revendications, ça m'a permis de récupérer une grande partie de leur terre. Berne, tout ça. Ici, et après j'ai usurpé carrément, j'ai créé le royaume de Lotharingie que vous voyez ici. Et ce qui est marrant, c'est vu que j'ai réussi à le créer avec tout ce que j'ai pu récupérer, c'est par exemple toutes ces petites terres là, j'avais des revendications dessus. Donc d'une guerre juste après, ben j'ai récupéré ça dans une seconde guerre. Donc au final, le Saint-Empire se fait complètement balayer et l'Aquitaine exactement au même problème. C'était pas le Saint-Empire, c'était Aquitaine, et inversement, donc au final, voilà. Donc on se retrouve, j'ai arrangé votre succession, comme je vous l'avais promis. Anactico, Conactique, Primogéniture. Anactico, comme j'ai dit, sur les hommes. Anactique, c'est que les hommes. Conactique, les femmes. Anactico, Conactique, les deux peuvent hériter, mais seulement en absence d'hommes, les femmes peuvent hériter. Donc c'est pas encore le problème. Primogéniture, c'est l'aîné. Ça permet en fait de tout donner à la même personne, d'éviter que le royaume se morcelle. Et lorsque vous créez un royaume, c'est basé sur l'autorité de la couronne, et l'investiture est basée sur vos titres principaux. Donc lorsque j'ai créé le royaume de Lotharingie, c'était direct. Alors, on va commencer tout de suite. Le roi n'est plus tuteur d'Adeline. C'est normal, je suis roi. Voilà, maintenant. Bon, alors, premier truc, et aussi j'ai beaucoup d'argent, mais bon, c'est normal en tant que roi, donc. Je suis devenu roi d'Aquitaine, donc maintenant, je peux leur déclarer la guerre. Où est-ce qu'il y a plus en fait de villes? Pour Alberne, déclarer la guerre. Oh, Berne, on s'en fout. Et l'Aquitaine. Alors, quelle partie voulez-vous qu'on récupère? Guyenne? Périgord? Pas tout. Allez, Guyenne. Allez. Guyenne, c'est où? C'est ici. Donc voilà. Et je vous ai préparé une surprise. L'Empire de France. Alors, en réalité, je suis arrivé au pouvoir à l'âge de 15 ans, à peu près. Donc voilà, il y a un an qui s'est passé entre temps. Et pendant cette année-là, en fait, j'ai profité pour prendre quelques petites terres à Suse ici. J'usurpe aussi la Haute-Bourgogne. Et au final, ça m'a permis. Ça m'a débloqué le titre d'Empire de France que je peux créer une fois que j'aurai, je crois, de 400 de piété, voilà. Et nous serons enfin empereurs. Donc, mais avant, nous avons récupéré tous les petits points qu'on a, donc ah oui, personne aussi très compétent que je vous avais pas montré. Donc 23 en diplomatie, 15, 18, 14, 17, c'est vraiment énorme. J'ai vraiment été content de l'avoir. Donc ensuite, bah c'était avec la reine, j'aurais dû me marier. Ah voilà, c'est bon. Voilà. Donc deux petites choses, je me vais me marier avec la reine d'Hongrie. Et j'ai ma sœur qui va se fiancer, qui est fiancée avec le roi de Norvège. Donc en gros, je m'allie avec deux gros blocs, hein, on va pas mentir. Et entre temps, j'ai pas fait gaffe, mais je crois que Saint-Empire a perdu beaucoup de troupes. Ouais, 29 000, et moi je suis passé à combien? 40 000 hommes. Voilà. Ah, dommage, pas parti de chasse. Donc voilà. On va peut-être commencer à lever nos troupes. Hein. Allez. Enlève le banc. Enlève le banc. Allez, hop. Donc, vous constatez que dès que je lève mes troupes, c'est.
C'est le foutoir. Moi, je vois pas d'autre mot à dire. C'est quand même le foutoir. Hein. Mais bon. C'est ça qu'on aime bien dans le jeu. Vous aimez bien voir quand c'est le foutoir avec moi. Mais bon. Donc voilà. Donc vraiment, là, toutes ces guerres-là, je suis vraiment content en fait. Ça a super bien marché, je vais pas le nier. Voilà, ça sert à rien franchement. Voilà. Pas de misseur. Hop. Hop, pour toutes les guerres, je vais appeler. Direct. Alors, en premier lieu, oui, ça c'est normal. Or, il s'est passé aussi une chose, c'est que la comtesse d'Auxerre, qui est ma demi-sœur, n'a pas apprécié. Et j'irai bien évidemment l'aider, étant donné que c'est quand même ma femme. Hein. C'est... Ah vraiment, je veux vraiment respecter toutes mes... tous les problèmes qu'on peut avoir rien qu'envers l'autre. Si elle est en guerre, j'irai l'aider. Et inversement, vous voyez, c'est... Bon, je contrôle même plus mes troupes, vous constatez que je balance tout, je réfléchis même pas. D'ailleurs, la Provence... Qu'est-ce qu'elle m'a dit, la Provence? Et maintenant on va regarder aussi... Je vais pas trop regarder à côté les factions. Parfait ça. Y a aucune faction sérieuse. Il n'y a aucune faction vraiment sérieuse. Donc j'ai pas trop à craindre en fait d'une faction d'indépendance pour l'instant. Et il faudrait que je regarde ça. Pas mal. Donc gagner une partie. Bon, étant donné aussi que ça, j'ai par contre, je vous l'ai réservé pour vous, j'ai gagné beaucoup de terre, donc ça veut dire que je peux relever des troupes en plus. Voilà. Ah, toutes les troupes supplémentaires qu'on va dire. Hein. Il faut savoir que l'escorte grandit en fonction de la taille de territoire que vous avez. Bien évidemment, vous avez vu la taille de mon territoire, je crois que j'ai pas besoin de vous faire une photo, hein, que c'est tout à fait logique. Bon, Auxerre, c'est fini. Je crois qu'elle est soutenue par un peu tout le monde. Faut dire aussi, ils apprécient, ils ont pas trop apprécié le fait que j'ai passé toutes mes voies d'un coup, faut dire ce qui est. Parfait, un autre Maria. Yep, yep. Ça on peut enlever. Mais c'est parfait. Donc voilà, je vous épargne. Je m'excuse de vous avoir épargné toutes ces guerres, mais bon, moi je. Le panier, je trouvais pas intérêt en fait de vous montrer ça. C'est. Ça m'a pris assez de temps comme ça. Donc voilà, c'est parfait. Le roi de Norvège, donc est-ce que je peux appliquer une revendication par exemple, déclarer... Non, je gueule. Tu sais, je crois que je peux déclarer la guerre pour... Alors, pour revendication, je crois que ça doit être placer votre sœur au pouvoir ou une connerie donc genre. La mémoire, il y a une possibilité de le faire. Oh, tout le monde veut me déclarer la guerre, c'est génial. Non, plus sérieusement, je vais rappeler toutes mes troupes là de mon host, un peu... de mon escorte plutôt. Putain, ça va aussi en guerre contre moi. Ils veulent tous ma peau. Et hop.
ça me rassure. Non, si je gagnais, c'est... Je disais MDR quand même. Ça me rassure, j'ai pas gagné. Donc voilà, nous arrivons en Provence, nous allons prendre la Bec Provence. Et vous constatez aussi que je me fais une fortune maintenant. Bon, c'est... on a eu beaucoup ça pendant cette vidéo. Étant donné que je vais passer beaucoup de choses entre temps. Mais bon, vous avez à peu près un visuel de ce... Quand vous êtes patient, voilà ce qui se passe. Hein. Vous arrivez facilement à gagner vos guerres. Donc voilà. Et je me suis... J'ai réfléchi, je me suis dit... Il y a un petit défi qui serait pas mal, c'est essayer de recréer l'Empire romain. Pour ça, je ne sais plus trop, il est... je sais qu'il faut papoter, je sais qu'il faut Constantinople, Jérusalem, mais je sais qu'il doit aussi avoir autre chose en avis pour reprendre, peut-être même toute l'Italie, ça m'étonnerait pas. Donc vraiment à voir tout ça. Castille qui veut récupérer la Castille, je lui ai interdit de récupérer des trucs à moi. Et nous avons aidé bien évidemment notre épouse. Voilà. Oula. Oh non! Bon bah ça sera une guerre contre la Castille ça. Comme ils ont voulu soutenir entre guillemets l'indépendance, la Castille en a profité pour les attaquer, les a explosés et bien évidemment qu'est-ce que ça a coûté? Une partie de leur territoire, ils voulaient en... Et ils ont décidé de capituler pour éviter de tout perdre. Donc voilà. Comté de Léon. N'importe quoi. Mais bon, ils ont voulu, hein. Et bien évidemment, je vous ai pas montré, mais je continue à fortifier ici. Hein. J'ai construit une université récemment. Ça n'a pas trop coûté cher, donc voilà, j'en ai profité. Bon, par contre, je perds beaucoup d'hommes. L'idée d'attaquer l'armée de Castille quand on avait personne à tête des armées, c'était une grosse connerie, mais bon. Bon, allez, hop. Nous apprécions trop vos ennemis. Qu'ils fassent gaffe à ça quand même. Il se pourrait que je le prenne mal et que je lui attaque. Hein. Oh, vous voyez, une petite guerre, ça peut très vite dégénérer. Hein. Donc voilà, notre... Est-ce que j'ai perdu ici? On va y... Par curiosité... Et quoi une troupe? 100 et quelques mille. Bon, je vais éviter d'aller à Jérusalem. Vraiment. Pas que je veux pas, mais c'est un peu trop nombreux pour moi pour l'instant. Une fois qu'on aura plus de troupes, je suis tout à fait pour qu'on aille pour les guerres saintes. Hein.
Oh mais là... Non, quand même pas. Oh les salauds. C'est vraiment des enflures. Voilà. Voilà. J'arrive pour aider. Voilà. Ça me met. Oh là, mais sollicite tout le monde, c'est pas possible. Là. Va m'en solliciter encore combien là. Aquitaine, oui, j'ai complètement baillé ses troupes, donc c'est pas le problème. Ne vous inquiétez pas, on va gagner. On va gagner. C'est tout à fait normal, on va gagner. De toute façon, avec le temps je gagnerai parce que je contrôle toujours à Bourgogne depuis le début, donc il ne pourra pas me vaincre. J'arrive le 21 mai, donc c'est bon. Voilà, voilà qu'est-ce qui se passe parfois, les héritiers qui vont récupérer le pouvoir. Ils sont pas gentils ces héritiers. Parce qu'ils mettent en... ils sont en train de foutre en l'air un royaume qui marche très bien. Vous avez pensé que je vais acheter peut-être même des indulgences au pape. Je sais même plus où c'est. Intrigue, voilà. Voilà, ça va sûrement me coûter un bras. Parce que oui, justement, ça c'est un petit reproche qu'on peut faire, c'est que l'église faisait payer les indulgents. Or, on a toujours dit que Dieu ne pouvait pas être payé, tout ça. Ça voudrait considérer, si l'église l'accepte, ça veut dire que... Hop, il est content, je lui donne une petite fortune, comme ça il arrête de m'embêter. Ouais, ça c'est l'église. Voilà. Tant pis, on va soulever les troupes ici. Plutôt soulever entre guillemets. Venise, oui, j'avais une alliance avec Venise. J'avais prévu le coup avec Venise, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Hein.
Attendez, je vois pas la faction d'indépendance là. Indépendant. J'aime bien les gens qui veulent se soulever mais qui n'ont aucune raison de se soulever. Bon, je vais l'aider à gagner sa guerre, au moins comme ça on aura déjà plus à s'occuper de ça. Oui, je sais que je peux aussi revendiquer là-haut. Bon. Voilà. Ici, on reprend les terres. Oui, il y a beaucoup de petits problèmes, voilà. On va dire que c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est pour mettre un peu de... quelques guerres. Non mais je savais que j'aurais dû l'emprisonner. Le problème c'est que c'était ma soeur, je voulais pas quand même. En gros, on a tous nos problèmes. Elle a son problème un peu d'indépendance, hein, entre guillemets. Voilà. Non, c'est pour m'envoyer ses troupes. Ça m'arrangerait. C'est un mauvais trait de caractère. Je sais pas pourquoi j'ai gardé son personnage là. J'ai réfléchi et je l'ai gardé. J'ai dû faire une erreur. Ce que je veux, c'est pas un trait de caractère que j'apprécie, pas dans le sens que c'est un mauvais trait de caractère, mais c'est un trait de caractère, voilà, que j'aime pas, c'est tout. Ça donne certes de l'intrigue, ça donne des caractéristiques intéressantes, mais au final voilà. Contrôle perdu. Ah oui, ici. C'est pas trop grave, c'est bon. Voilà, on retourne ici. La guerre, elle est tellement... Par contre, la peur que j'ai, c'est que... à mon avis, ce qui va se passer avec la Hongrie... Ah, il faut que je prenne Guyane. Je peux pas m'attarder plus longtemps. Le problème, c'est que là, en fait, je vais carrément faire sauter la Hongrie entière. Parce qu'ils n'auront pas d'héritier. Oh tiens, je peux augmenter d'un point, ça. Ça augmente. Oui, je sais, je réfléchis plus, je vois que je peux améliorer les scores, j'améliore. D'ailleurs, je préfère l'escorte là. Je suis en train de me rendre compte que je joue beaucoup plus avec l'escorte de piqué et d'archi qu'avec l'escorte troupe de choc. Normalement, la clé de victoire, c'est une armée équilibrée. Il m'a trahi après tout. J'ai pas pris, je peux pas. Et si je lui ai, bon bah tant pis. Hein.
Donc voilà. Maintenant, ils vont arrêter de m'embêter là-dessus. On va refusionner ces deux armées et on les expose. C'est bon, voilà. Un admisseur à vous récupérer quand même le royaume de Bourgogne, faut pas exagérer là. C'est bon là. Déjà grâce à elle on a déjà perdu une partie de notre souveraineté, on va dire. C'est qui a rejoint cette croisade. Très bien. Très bien. Ah tiens, indépendance. Bon, c'est pas trop grave encore. Hein. Ah, bon, à piété, ça n'augmente pas. Ouais, je suis cynique. Ah, pourquoi ça augmente pas? L'or, vous gardez les lois. Il n'y a pas beaucoup de... Étudier une technologie, comme toujours. Recherche technologie militaire. C'est la première fois en fait que j'ai aptitude, je peux augmenter en toutes mes parties aptitude siège et je sais pas vraiment ce que ça fait. Bon, petit bug, mais route religion.get name, get title. Je sais pas pourquoi il y a ça, mais bon. Spécialiste. Ah d'accord, quand je lance un assaut, c'est plus efficace. D'accord. C'est ça, oui, fois 1,4 parce que je suis un siège, le nombre, technologie, d'accord. Oh, bah, très bien, ça me facilite les sièges. Alors oui, déclarer la guerre, revendication de jure sur moi. Non, on va éviter de tout demander de venir. Hein. Oui, ça fait quoi? Ça fait 1600. Bon, ben, ils sont réconciliés. Dommage, j'ai tenté mon coup, hein. Vous venez, vous essayez de récupérer une partie, voilà. Ça marche ou ça marche pas, hein. C'est... Non, non. Ça avait pensé qu'il faut libérer une partie des prisonniers. Alors, prisonnier, prisonnier. Lui, je le libère. Lui, je le libère. Provence, je le libère. Auxerre, je la garde. Elle va pas me faire deux fois le coup, je vais pas vous mentir. C'est bon. Hein.
D'ailleurs, je viens de constater que mon os a encore augmenté. Et comme ça on va pas dire qu'elle paye qui, ouais mon host. Non mais mine de rien j'ai quand même quasiment 10 000 hommes d'escorte, ce qui est quand même énorme, hein, faut dire ce qu'il y a. Ça me permet d'être, c'est un peu une force de police, hein, faut dire ce qu'il y a, ça permet d'éviter des rébellions, tout ça. Après est-ce que c'est très efficace, je sais pas. Non je rigole, on a déjà pu constater depuis le début que j'utilise niveau efficacité c'est quand même énorme, hein. Normalement je pourrais déclarer la guerre pour revendiquer Van, ouais. Et voilà, guerre gagnée. Recréer. Donc alors petite question, Gacasti, alors si je déclare guerre à Casti, combien de troupes peut-il être capable de lever? 16 000 hommes. C'est tout? Bon, Hambourg, révoque, c'est pas grave. Attendez, on va cacher ça. Pour lui, c'est tout. Ah là là, c'est dommage, nous avons perdu cette guerre contre Jérusalem. Non, faut dire que pour la gagner, faut quand même en vouloir au début, hein, du jeu. Deux secondes. On dissout ça. On lui déclare la guerre pour Nantes. Oh, même le Castille. Aucune pitié. D'accord. Oh mais j'ai juste l'impression en fait que tout le monde est en guerre contre des personnes, contre des païens, tout ça en ce moment. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi il est en guerre contre qui lui? Majorque, ok. Bon, vous voyez, j'ai déjà gagné ma guerre. Hein. Voilà, ça monte assez vite, faut dire ce qui est. Bon, vous avez pu aussi constater que j'ai... je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai mis investiture libre, bon, le chef religieux n'aime pas, mais ça me permet en fait de gagner de l'opinion chez les évêques. Et si les évêques me payent, ben ça m'est rentable en fait, je gagne énormément d'argent là-dessus. Énormément. On va vous dire des tonnes de sous-sous. Donc voilà, c'est... C'est que ça m'arrange, c'est tout, hein. Je vais pas vous mentir, c'est... vraiment quelque chose assez sympathique, hein. La récompense 30 000 hommes. C'est énorme. Je vais pas vous mentir, j'ai jamais eu autant de troupes, hein. C'est waouh. D'accord, bon bah je vais te marier à qui toi? Thank you.
D'accord. Bon. Oui, c'est normal cette guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Saint-Empire? On va regarder un peu la situation. Embargo. Ouh, attaque Venise. Bon. T'as pas eu des cars à guerre en même temps? Non, j'ai mes armées levées. Pas mal. C'est dommage, c'est dommage. Bon, je crois que la vidéo commence à se faire rendre, par contre, voilà, c'est... mine de rien. Ça dure, hein, ça passe vite. D'un côté, je vous ai... d'un côté, on a récupéré une bonne partie de ce qui nous avait été enlevé. Donc c'est très bien. Le Kaiser n'a plus qu'à bien se tenir face à notre armée surpuissante. Hein. Tiens, je prends... du pièce d'eau, non. Elle mourra dans ses cachots. Royaume de Russie, tiens, qu'est-ce qu'il veut aussi? Quelle raison? Moi qui croyais que... J'aime pas ces idées en fait de mariage arrangé, je vais pas vous mentir, c'est... c'est pas quelque chose que j'affectionne, mais bon. Voilà, c'est... Oula. Religion, voilà. Alors dans les prochaines vidéos, j'irai probablement faire une guerre sainte contre lui. Étant donné que c'est quelqu'un de païen, je peux lui déclarer la guerre comme je veux. J'essaierai de faire ça un peu pour tout le monde, vous voyez, comme ça on récupérera le plus de terres possible ici. J'espère qu'on aura cette revendication là qui sera terminée. Cette guerre là on la terminera, mais elle sera vite terminée. Hein. Au pire, j'attends. Je terminerai de mon côté, ça durera un ou deux, encore quelques semaines. Donc je... Et après, on nous aviserons. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, qu'elle vous a plu et que vous avez apprécié de passer un moment en ma compagnie. Je vous dis d'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.